De l'autre côté, porte-parole inspection générale l'a déclaré, yo bay direction générale la 40 dossiers pour mois de février. Yo façon pour décider sous divers cas, tant qu'on demande 6 révocations policiers avec 2 agents qui doivent payer zam yo qui t'est perdu. IGPNH la mène tout, 116 enquêtes qui débouchaient sur révocation 15 policiers. Peut-être yo abandonné poste yo. Pendant mois de février, yo recevoir 44 plaintes, 33 là-dedans yo c'est plainte direct victime ou bien famille victime yo poté et puis inspection générale la penché sur 3 dossiers directement. Mark Wilkins Jean abdi non plus. Pour moi ça, c'est des moun qui ont révoqué pour abandon de poste. Donc c'est dans cadre suivi avec enquête que inspection générale li fait à partir de rapport d'abandon que soit directeur départemental yo voyé ou bien responsable commissariat ou voyez ou bien sous-commissariat ou voyez. Donc inspection générale suivra pour ça yo. Donc si ou directeur départemental écrit nous kounia là, il dit que gen un policier quelqu'un qui a abandonné poste dans mois ça, nous suivre jusqu'à 3 mois est-ce que policier ça pas retourner là en service. Et une fois que au terme de 3 mois nous constatons que policier ça à partir de date rapport arrivé là, donc il pas retourner là en service, donc il révoqué le d'office. Donc nous gen 15 cas comme ça. Côté que des policiers que nous révoquons parce que tout simplement ils ont abandonné poste pour une période de plus de 3 mois. Et inspection générale pas transigé sur ça même. Parce que dans le temps, policier a abandonné poste, il fait 2 ans, 3 ans. Et deux fois, même en dehors du pays, il cherche qu'il continue à sortir. Donc inspection générale porte attention soutenue désormais sur question policier qui a abandonné poste. Donc depuis 3 mois, on parle en poste, donc révocation automatique. Et pour preuve, moi ça, donc nous voyons 15 mois aller pour abandon de poste. Dans 40 dossiers, nous voyons par la direction générale, nous faisons un ensemble de recommandations. Je partage avec nous éléments de recommandation qui adressaient par le directeur général dans 40 nouveaux dossiers que nous-mêmes nous voyons. Peut-être dans le prochain point de presse, là, on a dit qui ça a déjà approuvé en tant qu'élément de recommandation. Ça. Donc, dans l'élément de recommandation, nous demandons 6 révocations, donc nous demandons 20 mises en disponibilité, nous demandons 15 suspensions, nous demandons pour 8 policiers paysans qui ont été perdus. Il y a 9 dossiers que nous estimons que nous n'avons pas de matière pour nous sanctionner les policiers. Donc nous demandons de classer ces dossiers. Et puis nous avons 2 dossiers que nous transmettons à la fois à DCPJ et parquet. Donc un dossier allant à DCPJ, un dossier allant à parquet. Donc ce sont les éléments de recommandation liés aux 40 dossiers d'enquête envoyés au niveau de la direction générale de la PNH.